m'approche à pas de loup, le pas feutré, l'œil averti. Je me moque des verrous, je me faufile sans abri. Je me promène à l'intérieur, dans ta tête et dedans ton cœur. Qu'est-ce que j'aperçois? Un trésor qui dort en toi. Et je me glisse dans ton ombre. Je partage tes journées, ta joie de vivre et tes mensonges. Je me promène à l'intérieur, dans ta tête et dedans ton cœur. Qu'est-ce que j'aperçois? Un trésor qui dort en toi. Dans ta tête et dedans ton cœur. Ouh, 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 ouh. Et soudain, qu'est-ce que j'aperçois? Un trésor qui dort. Je m'approche à pas de loup. Il s'approche à pas de loup. Je m'approche à pas de loup. Il s'approche à pas de loup. Je m'approche à pas de loup. Il s'approche à pas de loup. Je m'approche à pas de loup. À travers les murs et je flotte dans les airs, dans la poussière et dans la fumée de cigarettes. Avez-vous peur? Avez-vous plus peur, là? Non! Un peu? Non! Mais, s'il vous plaît, juste un petit peu de peur. Non! Je suis farfelu, le fantôme. Farfelu, c'est moi. Je suis partout. Je suis dans ton cœur,
dans ta tête, dans tes jambes, dans tes bras, partout, partout, partout. À vrai dire, je te regarde vivre. Quand tu t'amuses, regarde bien. J'ai de la peine aussi. Et quand tu te blesses, ça dira... Mon gros orteil. Mais quand tu es heureux, content, 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 comme aujourd'hui, eh bien, moi, là, j'apparais. Je me montre le bout du nez. Toc, 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 toc. Marionnette, tu marches. Moi, je prendrai soin de toi. Oui. Oh, je te brosserai les cheveux, tournerai tes tresses, je te raconterai des histoires et je te ferai rire. Rire. Oh, on sera heureux. On sera heureux. Oh, tu seras... Ma fée marionnette. Une fée? Oui, une vraie fée. Une vraie fée? Grâce à cette baguette à tour. Je te la donne. C'est vrai? Une baguette à tour pour faire de la vraie magie? Oui, déjà tu transformes, c'est bien triste. Et tu m'en rends joyeux, là, vos potes. Oh, aussi, je vais te protéger. Je prépare à tous ceux qui voudront nous déranger. Ouh, 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 ouh. Mais, fée marionnette. Oui? Est-ce que tu ne me jouerais pas déjà? Un de tes petits tours de magie par hasard. Ah! Non, farfelu! Oh, farfelu, viens ici! Oui. Dis-leur! Dis-leur quoi? Pour ma baguette! Oui, oui, place-toi là! C'est que fait marionnette possède maintenant du pouvoir magique. Avec la baguette à tour que je lui ai donnée, elle est capable d'accomplir maintenant des choses extraordinaires. C'est une magicienne. On la fait boire. Oui, oui. D'un coup de cette baguette à tour, elle pourra faire neiger, tonner, faire apparaître la lune dans le noir et miroiter les étoiles. Et même... Transformer! Oui, transformer une grimace en sourire. Oh. On est si bien ensemble. On est si bien ensemble. Mais c'est encore la porte. Hein? À moins que ce ne soit un courant d'air. Oh. Oh, c'est la sauterelle cosmique. La sauterelle cosmique? C'est bien drôle de nom. Non, ce n'est pas drôle du tout. Une sauterelle cosmique, ça a des ailes magiques, des antennes ultra sensibles, qui portent toujours d'énergie. Il propose des idées bizarres et elle fournit de projets si surprenants. Wow! Non, non, wow, non. Une sauterelle cosmique, ça dérange. Hein? Mais non, farfelu, pas du tout.
Au contraire? Et si on l'appelait? Non, ce n'est pas nécessaire. Oh oui! Allez, vous voulez l'appeler avec moi? C'est Marionnette. Ah bon? Bonjour les amis. Comment ça va aujourd'hui? Ah, Sauterelle, est-ce que tu danses bien? Oh, j'aimerais bien savoir danser comme toi. Mais fais, Marionnette, tu sais très très bien danser. Oh, mais je voudrais aussi savoir chanter comme toi. Hein? Danser, chanter et avoir... Mais fée marionnette! Je veux avoir des ailes magiques et des antennes spéciales comme toi, hein? Mais tu n'as pas besoin d'antennes spéciales, fée marionnette. Oh. Tu as une baguette à tour. Tu es une magicienne, n'oublie pas. Une baguette à tour? Oui, j'ai une baguette magique. N'est-ce pas, Tartelue? Mais écoutez, les baguettes magiques, ça n'existe que dans les bandes dessinées. Ou dans les contes fées. Hein? Fée marionnette, nous allons montrer ce que tu peux faire à tous nos amis. Et à Sauterelle. Oh oui, tout de suite. Mais est-ce que je vais transformer? Oui, tu vas transformer. Farfelu le fantôme en farfelu la marionnette. Tu vas te préparer. Oui, farfelu, je suppose que c'est encore une de tes petites manigances. Mais non, c'est un nouveau jeu. On joue à être des marionnettes. Des marionnettes? Mais ce n'est pas gentil de se moquer d'elles comme ça. Je ne me moque pas. On joue. Avec sa baguette à tour, pétouing, elle nous transforme. Et nous, on fait semblant.
Ça lui fait tellement plaisir. Bon, d'accord, si ça lui fait plaisir. Bon. Attention, attention! Eh bien, je commence. Et parfait. Regarde-moi. Oui, ma marionnette. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les yeux. Point. Oh, tu es blême. Ah oui? Tu n'es plus toi-même. Oh. Tu deviens ce que je veux que tu sois. Je suis ce que tu veux. Tu es un gros monsieur en visite, pas gentil, pas gâteau. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus bouger. Sauterelle, regarde-moi bien dans les yeux. Tu manques d'énergie. Moi, je manque d'énergie. Oui, tu manques d'énergie. Oui, oui, fée marionnette, je manque d'énergie. Tu n'es plus la même. Tu feras ce que je voudrai. Eh bien, tu es une petite marionnette fille, douce et sage. Mais viens m'appeler donc Baguette à tour. Et regardez ce que j'ai trouvé derrière. Oh, les ficelles. Des ficelles comme les miennes. Mais parce qu'on n'a jamais vu une marionnette sans ficelles. Hein? Tu veux chuter l'autre? Mais c'est ici qu'elles vont, hein? Tiens, ma grosse marionnette. Hé, hey, ça devrait un fantôme. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, monsieur. Comme tu as grandi, es-tu toujours sage? Oui, monsieur. Maintenant, va jouer avec tes jouets et laisse-nous parler entre grandes personnes. Mais je ne veux pas jouer. Bon, il est temps d'aller faire pipi et d'aller te coucher. J'ai pas envie. Monsieur? Oui, ma petite? Vous avez une mouche sur le nez. Farfelu me disait que je pouvais bien faire aussi. Ned, de la neige! Oh oui, c'est vrai! Est-ce que vous voulez que je fasse tomber de la neige? Oui. Eh bien, attention! Baguette à tour! Je veux qu'il neige! Baguette à tour! Ça marche! Ça marchait! Et maintenant, je veux qu'il fasse nuit. Baguette à tour. Eh bien, je voudrais la lune pour nous éclairer, hein. Baguette à tour. Et
Tu n'es pas sérieuse quand tu parles comme ça. Mais... Oui, mais pourquoi faut-il que je sois sérieuse, Sauterelle? Moi, je... Oh, Sauterelle! Moi, j'aimerais bien avoir des ailes magiques comme toi et des antennes spéciales comme toi et savoir chanter et danser et... Là! Une araignée! Ah! Ah! Ne bouge pas! Hein? Je vais te protéger! Oh! Je vais la tuer! Ah, Pauline, ne la tue pas! Oui! Elle a le droit de vivre! Non! Elle est laide! Tu n'es pas une raison! Elle n'est pas belle du tout! Et puis, elle fait peur à ses marionnettes. Oh, oui, mais les apparences, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on a en dedans. Hein? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas pareil en dedans? On est semblable. On vit tous sous le même soleil. On est incomparable. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? On a tous notre caractère, nos petits tics et nos... Qu'est-ce qui fait qu'on est comme on est, mêlé avec soi-même? Mes amis sont presque parfaits, moi j'ai de gros problèmes. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? On est tout seul dans notre tête, y'a personne qui nous embête. On n'est pas pareil en dedans, on est semblable. On vit tous sous le même soleil, on est incomparable. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? On a tous notre caractère, nos petits tic-tic-tic et nos manières. Pour être heureux, il faut y croire. Moi, depuis qu'Hertel est devenu mon ami, j'ai appris beaucoup de choses. Hertel? Et oui, Hertel. Je vous parlais d'elle tantôt, l'araignée. Et elle m'a même présenté sa famille. Oh. Hein? Sa mère, son père et aussi son petit frère. Oh, mais dis-moi, Sauterelle, est-ce que son petit frère, tu sais des toiles, lui aussi? Mais oui,
De petites toiles. Des toilettes, je suppose. Farfelu. Tu es vraiment farfelu. Sauterelle cosmique. Est-ce qu'il était content d'être une araignée, son petit frère? Avec des pattes poilues, une petite tête et une grosse gueule. Oui. Comme toi, tu es content d'être fantôme et moi d'être une sauterelle. Il n'aurait pas voulu être quelqu'un d'autre. Mais non. Et pourquoi? Parce qu'il était bien dans sa peau et n'aurait pas changé sa place avec personne d'autre. Même pas avec toi, farfelu. Oui, mais lui, la nature ne l'a pas gâté. Mais oui, elle lui a mis beaucoup à l'intérieur. Du pouvoir, des talents et de l'énergie. Oui, mais moi, changerais bien ma peau de marionnette avec n'importe qui. Mais qu'est-ce que tu dis là? Fais marionnette, essaie de réfléchir un peu à ce que je viens de dire. Si tu le veux vraiment, tu peux être bien dans ta peau. Oui, mais je le veux, sauterelle. Je veux bien. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais rien faire, moi. Je ne suis qu'une marionnette. Une toute petite marionnette. Mais ça s'apprend. C'est comme dans toute chose. D'abord, il faut y croire. C'est déprimant de n'être qu'une marionnette prisonnière d'un paquet de ficelles. C'est énervant. Il y en a tout le temps qui me font faire des pirouettes. Un petit pas par-ci, un petit pas par-là, puis sur le derrière, je ne peux rien y faire. Oh! C'est déprimant de n'être qu'une marionnette prisonnière. Ficelles et de bien dans ta peau. Fais comme moi, grouille-toi. De déprendre de tes ficelles. Il est entre tes mains. Mais suffit de le chercher un petit peu. On ne peut rien faire, nous, pour Fée Marionnette. Non! Mais non! C'est toi qui peux faire quelque chose. Si tu veux être vraiment libre et heureuse, c'est à toi seule de décider. Oui, mais j'ai... Oh! Veux-tu vraiment te défaire de tes ficelles? Oh oui, farfelu! Oh, j'aimerais ça! Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais vu tes ficelles? Mais je serais heureuse!
Qu'est-ce que je pourrais faire donc? Je pourrais danser, c'est vrai. Moi, je pourrais marcher. Je pourrais courir. Dessiner. Sauter. Et je pourrais même tourner. Oui, je pourrais faire tout ce que vous me dites. Oh, je serais tellement heureuse, farfelue. Mon carnet de poésie est un cahier tout blanc. C'est à lui que je confie tout ce que je ressens. Je me cache n'importe où pour m'écrire des beaux mots doux. Je me parle avec moi-même de mes rêves, de mes amis que j'aime, de papa, de maman. C'est mon petit lit à moi. Mon carnet de poésie est un cahier tout blanc. C'est à lui que je confie tout ce que je ressens. Je dessine de gros nuages quand je suis en colère. Je fais tomber la pluie quand je pleure. Barbouille de grosses moustaches à ceux qui me font peur. C'est mon petit lit à moi. On aide ces marionnettes à se défaire de ces fameuses ficelles. Je vais avoir besoin de vous tous. Puisque je suis une sauterelle bien spéciale, je vais vous transmettre mon énergie cosmique pour vous transformer en sauterons. En sauterons? Wow! Nous allons faire des gestes cosmiques. Des gestes cosmiques? Mais avant, je dois entrer en communication avec mes antennes. Je suis la sauterelle cosmique
Et je veux transformer tous les amis en sautrons. On est prêts, nous autres. Les amis, prenez une grande respiration. On respire profondément. On devient mou et molle comme de la guenille. Comme de la guenille. Levez vos bras dans les airs. Placez vos mains sur votre tête et fermez les yeux. Maintenant, pensez que vous êtes un sautron. Un sautron, c'est vous autres. Et oui, c'est vous autres. Avec plein d'énergie qui circule partout dans votre corps et qui vous aide à devenir ce que vous souhaitez être. Pensez très fort à ce que vous voulez faire. Pensez que vous êtes un sautron et dites avec moi les mots cosmiques. Je suis ce que je pense. On répète. Je suis ce que je pense. Dans mon bedon, il y a de l'énergie, comme dans le bedon de tous les sautrons. Dans mon bedon, il y a de l'énergie, comme dans le bedon de tous les sautrons. Mon sauterelle, porte-lui, les amis, réveillez-vous. Et moi? Vous m'oubliez! Mais non, fée marionnette! Maintenant que nous sommes tous conscients de nos possibilités et surtout pleins d'énergie, nous allons pouvoir t'aider. Êtes-vous prêts, les amis? Oui! Êtes-vous plein d'énergie? Oui! Alors ça va fonctionner. Dans ton bedon, il y a de l'énergie, comme dans le bedon de tous les sautrons. Allez, les amis, ensemble! Dans ton bedon! L'énergie, comme dans le bedon de tous les sautrons. À ton tour, fée marionnette. Ah bon? Dans le bedon, il y a de l'énergie, comme dans le bedon de tous les sautrons. Tout le monde encore plus fort et on pointe du doigt. Dans ton bedon, il y a de l'énergie, comme dans le bedon de tous les sautrons. Ça marchait! Ah! Ah! Wow! Je saute de joie, je n'ai plus de ficelle. Je respire à plein poumons. J'ai du soleil dans ma cervelle, de l'énergie dans mon bedon. Ah non! Fini la vie de
fandangue dans tous les sautants. Oh, eh bien moi je ne veux plus jamais voir ces ficelles. Tiens, les ficelles. Dans la poubelle, hein? Eh bien, pour cette occasion spéciale, je veux qu'il neige sur tous mes amis! Baguette à tour! Peut-être que le tonnerre veut nous parler, attention! Baguette à tour! Mais voyons, c'est pas drôle! Vous avez vu tantôt, elle fonctionnait très très bien. Maintenant, Farfelu, mon ami Farfelu, il me jouait des tours. Attention, il y a des amis de ce côté-là qui me disent que Farfelu me jouait des tours. Est-ce que c'est vrai? Pas besoin, fée marionnette, de cette baguette. Oh oui, Sauterelle, elle fonctionne tellement bien. Ta baguette à tour fonctionne? Ouh! Sans moi? Eh bien, je peux vous le prouver si vous voulez. Oui? Elle peut le prouver, les amis? Bien sûr. Eh bien, prouve-le donc, tiens. Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Baguette à tour fait apparaître des petits chiens noirs et blancs qui jappent juste un petit peu, pas trop, hein? Baguette à tour! Mais c'est plein de pitous ici! Mais bien sûr, Farfelu! Je suis une vraie magicienne! Mais tu sais, Farfelu, je peux te surprendre encore. Me surprendre, moi? Mm-hmm. Pourquoi, moi? Attention! Maintenant, je veux des chasseurs de fantômes! Oh. Baguette à tour! D'y croire et de fournir les efforts nécessaires pour y arriver. Maintenant, je dois partir. Oh non, Sauterelle! Oh non, pas déjà! On est ensemble que depuis si peu de temps. Tu n'as vraiment plus besoin de moi. Mais oui, mais je vais maintenant me retrouver toute seule, moi. Tu sais, il est bon parfois de se retrouver seule pour réfléchir. Et de toute façon, regarde, tu es déjà entourée d'amis. C'est vrai! N'est-ce pas, les amis? Oh. Oh. Eh bien, puisqu'il faut un commencement à tout, je pense que je vais aller faire un tour dehors et prendre une grosse bouffée d'air. Et je vais même t'accompagner!
les oiseaux qui chantent, le vent dans le ciel étoilé. Je vois la nature fleurissante et les enfants danser. Et les enfants s'aimer. La lune dans le noir, chantant aussi battre ton cœur. Tes yeux sont clairs comme un miroir, j'y vois tant de couleurs, j'y vois tant de bonheur. J'entends murmurer dehors, c'est beau comme une mélodie. Regarde les fleurs multicolores qui poussent en harmonie. Je vois tant de magie. Le vent dans le ciel étoilé. Je vois la nature fleurissante et les enfants danser. Et les enfants s'aimer. Bye bye les amis. Bye bye les amis. En avez-vous, vous autres, de l'énergie? Oui! Êtes-vous capable de la communiquer aux autres? Oui, mais toi, fée marionnette. Moi, je changerai pas ma peau avec personne. Et vous, les amis et les grands, dites-le nous. Changerai pas ma peau avec personne. Si c'est vrai, vous allez chanter très fort avec nous. Sont dociles et donnent leur entourage, d'autres difficiles. Il y a ceux qui sont fragiles et construisent les barrages. Changerai pas ma peau avec personne. Changerai pas ma peau avec personne. Changerai pas ma peau avec personne. Y'en a qui sont boudeurs, d'autres sont bavards. Y'a ceux qui s'habillent. Y'en a des beaux parleurs, d'autres font confiance. Y'a ceux qui badinent. Y'a les agressifs, les pas gênés. Hey, hey, hey. Ceux qui veulent tout avoir ou tout donner. Y'a ceux qui sont peureux, cachent leur valeur, ils gardent tout pour eux. Y'a ceux qui sont heureux et s'aiment le bonheur. Semez-vous le bonheur, vous autres. Faut chanter.
vous voulez qu'on s'en aille? Non! Eh bien, on reste. On va aller souper chez vous, tiens. Mais on pourrait faire une dernière chanson. Pensez-vous que vous allez être encore capable? Eh bien, nous allons chanter La jument de Michaud. C'est une chanson tirée du tiroir français. Hein? Non, du terroir breton. Ah bon? Et elle fut écrite en 1612 et demi. Ah. Ça va pour vous? C'est vieux. Eh bien, vous m'aidez, vous tapez dans les mains et on commence! Très fort! C'est dans 5 ans que je m'en irai. J'entends les doux et le renard chanter. C'est dans 5 ans que je m'en irai. J'entends les doux et le renard chanter. J'entends les doux et le renard et la fenêtre. J'entends les doux et le renard chanter. J'entends les doux et le renard et la fenêtre. J'entends les doux et le renard chanter. C'est dans 4 ans que je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. C'est dans 4 ans que je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulet a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulet a passé dans le pré et mangé tout le foin. L'hiver viendra, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repartira. L'hiver viendra, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repartira. J'entends les doux, le renard et la fenêtre. J'entends les doux et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Hey! Tous les enfants, debout! Allez, les amis! Woo! On frappe très fort! Hey, les dents de brouillés! Là-bas, dans la pluie en brouille! Allez! On brouille! C'est dans 2 ans que je m'en irai. J'entends le loup, le renard chanter. C'est dans 2 ans. Je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la fenêtre. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la fenêtre. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans ce nom que je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. C'est dans ce nom que je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulet a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulet a passé dans le pré et mangé tout le foin. L'hiver viendra, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repartira. L'hiver viendra, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repartira. J'entends le loup, le renard et la fenêtre. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la fenêtre. J'entends le loup et le renard chanter. 2, 3, 4. J'entends le loup, le renard et la fenêtre. J'entends le loup et le renard chanter. Y a ceux qui sont fragiles et qu'on